Bien le bonjour. Vous n'auriez pas un peu d'eau pour des hommes assoiffés tels que nous? Oui, il y en a juste là, vous pouvez vous servir. Merci. Si je peux me permettre, qu'est-ce que trois hommes armés font dans ces bois? Oh! C'est nullement de vos affaires. Je veux seulement savoir à qui j'offre mon eau. Le marshal de Griffintown nous a conviés dans cette forêt à la recherche de voyous. Vous ne savez pas que les environs étaient dangereux? Un certain William Brooks. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Ce n'est qu'un simple voleur. Et de toute façon, le problème sera vite réglé. D'accord. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Ces bûches ne se couperont pas seules. Dites, vous ne connaisseriez pas un certain Ramirez? Vous allez devoir être plus précis, il y a beaucoup de Ramirez dans cette région. Diego. Diego Ramirez. Jamais entendu parler. Pourtant, vous lui ressemblez beaucoup, je trouve. Touche à ce fusil, et ce sera la dernière chose que tu n'auras jamais faite, Diego. Nous mettons la main sur Diego Ramirez. Et puis, Diego, dis-moi tout. Qu'as-tu fait de ces milliers de dollars? Je ne l'ai plus. Je croyais qu'avec un si gros pactole, tu serais allé te réfugier quelque part au sud, à boire le meilleur whisky de tout l'Ouest hors de prix. Jusqu'à la fin de tes jours. Au lieu de ça, il vit dans un toit à connard. Alors, dis-moi tout de suite, elle est où l'argent? Sinon, je vais être obligé de continuer le boulot que tu as toi-même commencé. C'est-à-dire buter toutes les putains de membres de ta famille de merde. Il nous faudra une heure de marche. Arthur, reste ici, surveille le territoire. Je veux que personne ne vienne. Tom, tu viendras avec moi. Nous allons accompagner M. Ramirez jusqu'au butin. La tombe de Raphaël Ramirez. Les rumeurs sont fondées, boss. Salopard. Faire ça à son propre frère, j'en reviens pas. Ce sera un réel plaisir de devoir suffoquer au bout d'une corde. Allez, creuse! Où est l'argent? L'emplacement de l'argent se trouve à la dernière page. C'est le carnet de mon frère. Cependant, une partie de l'argent se trouve ici. C'est bien, continue. Ok, Tom. Reste ici jusqu'à ce qu'il ait fini de déterrer. Pour ma part, je vais prendre de l'avance sur la recherche du trésor, ok? Une fois qu'il aura terminé, refroidis-le. Tu me rejoindras en nord, d'accord? D'accord.
terminé. Je n'ai pas tué mon frère. Perdón, hermano mío. Hasta nunca. Tu cherches du boulot, William? Diego. Merde. Je croyais qu'avec tout cet argent, vous seriez enfin bon. Non. Après le braquage, les médecins ont constaté que sa maladie était trop avancée et ils ne pouvaient pas le sauver. Donc avant qu'il périsse, nous avons décidé de ne pas utiliser l'argent et de le cacher au lieu. Il a marqué l'emplacement dans son carnet. Il me l'a confié et... je l'ai caché à un endroit où personne ne le trouverait. Il a toujours été en paix avec ce qu'il avait fait. Il n'a jamais eu de remords ni de regrets, mais... moi, ce n'est pas la même histoire. Après tout, je n'ai jamais voulu cet argent. Tout ce que je voulais, moi, c'était mon frère. Et je n'ai pas pu le sauver. Je suis désolé. Tu as fait de ton mieux. Alors, en quoi consiste le boulot? Alors, premièrement, tu vas avoir besoin de ça. Une bande de chasseurs de primes était à ta recherche et ils m'ont trouvé moi, finalement, à mon campement. Je n'ai rien pu faire. J'étais obligé de leur divulguer l'endroit du carnet. Et je m'en suis sorti de justesse. Je lui ai promis que personne n'allait toucher à ce trésor. Même pas moi. Tu sais ce que tu vas faire. Tu vas honorer sa mémoire. Tu vas retrouver son carnet et tu vas tenir ta promesse. À deux, nous y arriverons. Ensemble. Hé, hey, boss. Boss, cet homme là-bas. C'est pas Tom? C'est Ramirez. Et on dirait bien qu'il s'est fait petit ami. Dites, boss, si on accélère le pas, je crois qu'on pourrait les semer, hein? Non, ils sont déjà trop près. On ferait bien d'en finir tout de suite. Allez. Alors, où est mon gars?
Je ne répondrai pas à une question dont tu connais déjà la réponse. Je veux simplement mon carnet. Tu crois vraiment que je vais te laisser t'en tirer comme ça? Je ne partirai pas d'ici les mains vides. Mon carnet ou je te refroidis. Boss, ouais. On devait prendre l'offre. Tom pourrait très bien nous abattre aussi. T'as raison. Diego! C'est bon, Diego. William. Va-t'en! Va-t'en tout de suite! Et Diego! 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 Thank you.